C'est dans le cadre d'éradication de la pauvreté dans la province du Congo central et surtout dans la ville portuaire de Matadi que les leaders d'opinion de la province s'impliquent à un plus pour éradiquer la pauvreté dans la ville portuaire de Matadi. Il s'appelle Dombrun Singa, l'un des leaders d'opinion parle du bien de la province. La situation qui prévaut dans notre province n'est que la conséquence mathématique d'une crise politique. En fait, j'invite la population du Congo central de se comporter à l'unité, car l'unité donne l'impulsion à la paix. Quand il y a la paix, il y a le développement. On peut parler aussi de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et la paix engendre la positivité dans tous les sens. Les deux institutions sont censées de négocier, de coopérer. Les flèches allées doivent être accompagnées de flèches retour. C'est comme la théorie des diagrammes en mathématiques algèbres. Non, personnellement, je ne suis pas fanatique de qui que ce soit. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt supérieur de la province. Ce que je peux dire, je bénis ma province, je bénis les deux grands dirigeants de bien faire leur travail, ainsi que la population aussi se retrouve par rapport à tout ce qu'ils vont faire. L'un des fils du Congo central, à la personne de Dombrun Singa, enseignant de son état, homme d'affaires de la province par rapport à ses œuvres et à son intelligence, transmet son savoir à beaucoup de jeunes et sert de bon exemple par son savoir-faire. La crise, elle est mondiale. C'est une crise qui a touché tous les quatre coins du monde. Ce n'est qu'une conséquence de la situation que nous sommes en train de vivre, notamment les problèmes de la pandémie Covid-19. Ça a influencé beaucoup plus par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Il y a possibilité de faire le mieux possible. Nous avons des économistes, nous avons nos dirigeants, nous avons des experts dans notre pays. Nous avons des gens très intelligents, très sages. Je crois bien que les techniciens en matière, y compris lui-même le chef de l'État, sont tentés d'étudier comment éradiquer cet aspect. Un sportif de nature, Dombrun Singa, est aussi un encadreur sportif. En tant que président du football club Salam, Dombrun Singa encadre et oriente beaucoup de jeunes à devenir des responsables. La province peut compter sur des personnes telles que Dombrun pour un plus dans beaucoup de domaines et par son bravoure. Si je suis dans le sport comme encadreur, je suis président d'une équipe de football à Salam. Mais c'est le bien-être de la population. Bon, nous venons d'être confinés. Nous attendons le mot d'ordre du président de la Ligue du football du Congo central, M. le président Lelo Masiluwa, dès qu'il va lancer un appel par rapport au déconfinement du côté sport. Je crois bien que nous allons s'y mettre.